Bourne du Mans, elle avait terminé deuxième. Tiens, attends, juste, excuse-moi, dans un lot très moyen, dans un lot très moyen. Mais on s'en fout, les juments progressent, mais c'est comme toi, Alexis. Pas une chance. C'est même comme au premier échelon. Quand t'es arrivé, même au premier échelon. Quand t'es arrivé à la rédaction d'Equidé, Alexis, t'étais comme ça, tu te regardais la tête en l'air. Arrête, je t'ai tout appris. Au fil du temps, tu progresses. Mais je t'ai tout appris. Au fil du temps, tu progresses, et ben c'est exactement comme elle. Non, mais Alexis, je vais poser une question qui est très simple. On écoute qui pour manger gras? Tu m'écoutes moi? Est-ce qu'on écoute Alexis? Est-ce qu'on écoute Max Bourra? Non, tu m'écoutes moi. Après, c'est vrai que j'ai pas une grosse corpulence, donc c'est vrai que. Bah, c'est le 5 qui est favori. Bah là, c'est assez logique. Bah, pas besoin de m'engueuler. Ouais, mais je t'engueule quand même, je te fais une petite piqueur de rappel parce que j'aime pas trop ce ton-là. Je donne pas toujours que des favoris, mais là, on est obligé. Par contre, t'es pas lucide. On est obligé. Sois honnête avec notre public. Tu donnes tout le temps des miches. Calme-toi, Alexis. Tu ne sais pas donner un cheval à plus de 5 balles. Il est très tendu. Mais non, mais tu sais, je n'aime pas le mensonge. Il me fait peur. Il a l'impression que c'est des menaces. Est-ce qu'on va le finir, ce Twitch, tellement il est fou? Il est fou, Ali. N'aime pas le mensonge. On est extra. Il nous manque avec le gagnant. Il nous manque avec le gagnant, c'est vrai. Il nous manque. On aurait pu s'en méfier. Max, il m'annonce, Max, en début de live, de manière très sereine, il me dit 5 et 9. Le 9, il est où, Max? Non, mais le 9, il est où, Elliot? Elliot, sur la dernière je crois qu'il court encore. Non, il a fait la faute dans le dernier tournant, mais. Ouais, je. Il est en rupture. Réveille-toi, la burrata, on nous dit. Statistique, ben, il soigne ses statistiques, pardon. C'est compliqué à dire, hein. Un petit peu. Soigne ses statistiques. On s'en est rendu compte. Donc, on est deuxième course, toujours au Mans, hein, je vous le rappelle. R1 c'est 2, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, prix de la taverne. À partir du moment où c'est la deuxième, c'est vrai que. Il y a un souci? Aucun. Non, mais s'il y a des nourris, Max, on s'en parle et puis on met le live en pause. Hein. Allez, feu. Bah après, je pense pas que c'est très spectaculatif. Très spéculatif, pardon, au niveau de la cote. On a du mal à s'exprimer. Alors, 1004, j'ai une petite botte secrète. Hop. Ah là, j'ai hâte d'entendre ça. Mais moi, ça me plaît, sa musique, elle me plaît. On demande un coup sûr, il me dit c'est pas un coup sûr. Mais ça, c'est le problème d'Alexis. Hein. Mais non, mais c'est pour un film. Oh là 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 là, les gars, les coups sûrs. Ça se saurait. Achète 10 journaux le matin et puis voilà. Max, tout à l'heure, tu nous parlais de ta petite botte secrète. Ouais. On a Bélabarde qui nous dit je les connais, ces bottes, ils portent des Santiago sur les hippodromes. Tu te fais terminer! Alors là, je me fais terminer. Tu te fais terminer par un mec qui nous suit. Je me fais casser en deux. J'espère que tu le connais, hein, que c'est un ami à toi. Bah, j'espère aussi. J'espère. J'ai QG 927 qui nous dit si vous voulez gagner, jouez pas les pronos d'Alexis Grillin. Bon. Okay. Mais j'ai l'impression que ce QG est quelqu'un de très bien, moi. Eric Raffin qui est dans la course du coup numéro 12 aujourd'hui. Ouais, et c'est l'anniversaire d'Eric Raffin aujourd'hui. Fait, oui, c'est 40 ans. Fait, c'est 40 ans. Bah, bon anniversaire, bon anniversaire à lui. Malheureusement, il n'est pas avec nous. Non. Mais peut-être qu'on fera passer le message. Peut-être que ça peut être. On lui dira, peut-être qu'il nous regardera en replay. Peut-être qu'il voudra voir les tuyaux d'Alexis Grima et de Max Bourra. On ne sait jamais. Max, Eric Raffin, c'est qui? Pour quelqu'un qui vient, il n'a jamais entendu parler d'Eric Raffin, c'est qui? Ah, bah, on dit souvent que Jean-Michel Bazir, c'est le Zidane des courses. Donc, si Eric Raffin, c'est peut-être le Cristiano Ronaldo des courses, si on fait la même parallèle avec le foot. C'est vrai que Raffin, c'est un crack. C'est un mec capable de gagner des courses, même quand il a une moins bonne chance que les autres. Le 7 il fera R, on nous dit. Le 7 il fera R? Ouais, on nous dit le 7 il fera rien. Eh ben très bien, vive le mutuel. Regarde le. Numéro, messieurs dames. Le 7. Ouais, c'est l'extérieur. Bravo. C'est l'extérieur qui gagne. Oh, regardez-le, le papa. C'est un métier ou c'est pas un métier? Non, mais on l'avait dit. Quand la personne disait sur le chat qu'elle était pas bien, non, c'était pas si mal. Ça allait sourire, c'est sûr. Donc je suis content d'avoir. C'est un fils de Nem. Un fils de Nem, on n'en voit pas beaucoup de ceux-là. On n'en voit pas beaucoup. Hein. Non, on voit pas beaucoup. T'as plus tendance à les manger, toi. C'était facile. Non, mais vous en faites pas. Non, vous en faites pas, monsieur Max. J'en profite. Monsieur Max. Monsieur Patate. Le M. En tout cas, bah Alexis, c'est sympa. Apparemment, Alexis a l'air de lui faire plaisir. Alexis est sur son téléphone. Non, mais j'ai une amie qui me dit t'es grave beau. Donc du coup, forcément, ça fait plaisir. Et comme quoi, les gens ne disent pas toujours la vérité. C'est ça. Ça reste quand même assez étonnant. Mais il est peut-être meilleur avec les meufs qu'avec les cheveux. Il me trouve des transitions, celui-ci. Il me régale. J'ai l'impression qu'on est en symbiose. Non, mais c'est bon. Allez, on y va. On se connaît depuis tout petit. Le driver de demain. Le pilote de demain. Voilà, on va avoir des futures petites pépites. Donc, d'ailleurs, juste avant que vous fassiez votre ticket, est-ce que. J'en ai une petite pépite. Sur le papier, vous avez. Oh, mais lui, à chaque fois, il me voit. C'est un petit regard. Mais non, mais on regarde les courses. Il a l'œil qui frétille. Il veut te bouffer les courses. Il me regarde. Je me sens à chaque fois, j'ai un petit peu chaud là. Et un petit gars, je trouve très fort. Noé Perron.
Noé Perron. Absolument. Noé Perron, ça va être le, c'est le pilote du numéro 11 Huracan dans cette course. Moi, je pars du principe, hein, même si le jockey est bon, il va pas pousser le cheval. Hein. Du coup. Il est en train de se fâcher. Ouais. Alors, Max, 10, 11, 12. Et donc, c'est qui est-ce qu'on met? Le numéro 9. Il est dingue, le mec. Le numéro 9. 11, 12, 9. Ouais. On est d'accord là-dessus? Me réponds pas surtout. Non, ouais. On est d'accord. Pardon, excuse-moi. Il te laisse dans ton aile tout seul. Non, on est d'accord. C'est pas beau. On est d'accord. Numéro 4. Alors, je vais essayer de bien le dire. Degana Ouida. Bon, je vais t'aider. Lui, attends. Je vais t'aider. Il manie les mots. Il manie la langue de Molière. Et en plus, il trotte comme toi en plus. Et il jette la patte. La gondole, c'est horrible. Est-ce que le parcours d'Express Jet peut lui permettre de gagner? Bah, ça dépend si ça revient derrière. Allez, c'est au galop. Au galop, Express Jet. Bien arrêté, Elliot. Pas de jury qui enlève cette 14e étape du Grand National du Trot. Bon, on surprise. Connaît, on va s'en aller. Il va être l'heure qu'on quitte le plateau. On en a assez vu. Il est l'heure qu'on quitte le plateau. Le mal est fait. Je pense que la cote elle est folle.